Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. La décoloration, on connaît tous. Une poudre blanche pour un résultat classique sur un cheveu naturel. Une poudre bleue qui neutralise le orange mais pas le jaune. Une poudre violette qui neutralise le jaune mais qui n'est pas assez puissante pour neutraliser le orange. Et si aujourd'hui, je vous présentais sur modèle une poudre qui décolore jusqu'à 9 tons, neutralise le orange grâce à ses pigments bleus, neutralise le jaune grâce à ses pigments violets, neutralise les derniers reflets chauds grâce à ses pigments roses, et tout ça sans plex pour une fibre totalement préservé. En bref, une poudre qui fait gagner du temps, des rinçages, des techniques supplémentaires, de l'argent quoi. C'est parti pour ma vidéo et on se retrouve juste après. Voici mon modèle Faustine qui a des cheveux très longs, une base naturelle de 7 sur 6 cm et des longueurs et pointes décolorées dorées. Je commence par protéger et faire des séparations classiques. Le ratio d'isiblond est de 1 plus 2. Très simple, une dose de poudre pour deux doses de son oxydant. Dans mon cas, j'utilise du 20 volume. Vous voyez qu'en la mélangeant, cette poudre devient bleue pour neutraliser le orange. Mais regardez qui se prépare tout doucement à agir à l'intérieur. Des pigments violets qui agiront en second temps pour neutraliser les fonds jaunes. Je ne vais rien vous apprendre, j'utilise une technique de mèche classique avec un léger crépage à l'aluminium. Mais qui se cache prêt à agir, ce sont toujours ces pigments violets. Je continue ma technique. Je laisse pour un temps de pause de 45 minutes. Je défais mes aluminiums. Et regardez, ce mélange qui de base était bleu est devenu rose pâle, des pigments évolutifs capables de neutraliser tous les paliers chauds de la décoloration. Est-ce qu'Isiblond sensibilise sans plex? À vous de me dire sur ces mèches de contour avant. Shampoing, soin hydratant, pas de patine, pas de shampoing bleu. Et voici le résultat des mèches lumineuses, froides, avec un cheveu totalement respecté. J'espère que cette vidéo Isiblond vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt.